traction avant, et avec leur moteur flottant. Révolution dans la technique. J'espère, mais je n'en suis pas sûr, que tout le monde a reconnu la voix de Richer Barrier, quand même, avec sa traction avant. Oui, alors elle ne roule pas des mécaniques, mais elle pourrait, Anissa, bonjour. Bonjour. Parce qu'elle va nous parler aujourd'hui d'une formation, d'une école hors du commun, c'est le cas de le dire. Et oui. Et qui, justement, s'intéresse aux véhicules anciens. Anciens, s'il vous plaît. D'ailleurs, le nom, c'est le Conservatoire National des Véhicules Anciens. C'est le premier organisme français spécialisé dans les métiers et la restauration, donc des véhicules anciens. Alors, le centre a 3 ans, hein, et il est installé à Antony, en région parisienne. Et on y apprend, bien évidemment, à détricoter, à désosser, à refabriquer de vieilles voitures, un petit peu laissées à l'abandon ou pas. Il faut savoir, pour ceux qui pensent que c'est une niche, en France, nous avons 800 000 véhicules anciens, ce n'est pas rien. C'est un chiffre d'affaires annuel qui représente 4 milliards d'euros. Donc, c'est un petit peu plus qu'une niche, une niche qui prend beaucoup de place. Et le gros problème, c'est que pour les réparer, ces vieilles voitures, les chouchouter et s'en occuper, et ben là... Il n'y a plus de garagistes, ma bonne dame. Exactement, et c'est là que ça devient une niche. Là, si, en revanche, il y en a encore quelques-uns. Il y en a quelques-uns, ouais. Mais pas assez. Et effectivement, il était urgent de former, de réapprendre, en tout cas aux passionnés, à s'occuper, à bichonner et à réparer donc ces vieilles voitures. Alors, vous avez des cours à l'année, vous avez des formations, une palette entière de possibilités pour vous initier à la réparation des vieilles voitures. Se balader dans cette école, ça fait rêver. C'est-à-dire qu'on s'est tous arrêtés devant une belle vieille voiture dans la rue, ou en tout cas, on peut se rêver devant les films quand vous voyez leur robe, leur couleur, leur design. Donc là, on s'est un petit peu perdu dans cette école, et puis c'était pour notre plus grand plaisir. Et puis, on a vu le travail fourni par ses élèves. Je vous laisse le découvrir immédiatement. Nous sommes au Conservatoire National des Véhicules Anciens, qui est aujourd'hui la seule école en France à préparer de futurs restaurateurs de véhicules anciens, aussi bien sur les métiers de la mécanique que de la carrosserie. Aujourd'hui, nous avons, d'une façon continue, 80 stagiaires en formation longue, auxquels s'ajoutent des stagiaires qui viennent sur des modules de formation beaucoup plus courts, soit des amateurs qui viennent acquérir un savoir-faire particulier sur un problème spécifique, soit des gens qui sont aujourd'hui des professionnels de l'automobile moderne et qui viennent élargir leur champ de compétences. Je vais t'expliquer la procédure là. Du coup, tu vas chanter le condo, ouais. Tu vas remettre ta batterie, ouais. Et tu vas voir si tu as ton 6 qui arrive là ou si, ouais, ça chante de nouveau la bobine. Mais ça explique toujours pas pourquoi ça ferme le circuit au niveau de mon contacteur AP. La formation se découpe en 3 grandes périodes. Une première période où les stagiaires sont essentiellement sur les aspects théoriques, fonctionnement d'un véhicule, connaissance des éléments d'un véhicule. Et puis dans un deuxième temps, ils travaillent entre guillemets sur des véhicules cobayes, des véhicules qui sont démontés et remontés à l'infini. Et puis dans un troisième temps, ils travaillent sur des vraies voitures qui sont destinées à reprendre la route. Soit ces véhicules appartiennent à l'école, soit ce sont des véhicules confiés par des particuliers. Parce que si on n'avait pas une pression d'huile, qu'est-ce qui serait allumé au tableau de bord, le voyant rouge, la pression d'une minimum. Et lui, il faisait son boulot puisqu'il ne s'allumait pas. Il y a 2 grandes familles de stagiaires qui se détachent. D'un côté, des très jeunes, on va dire 18, 22, 23 ans, qui bien souvent, évidemment, sortent de l'école, plutôt avec un bagage lié à la technique, voire à l'automobile. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Ouais. Donc on va remettre ça en place. Et vous regardez... Pourquoi ça ne vient pas embuter ? Tu fais tourner, tu vois qu'il y a un débordement de la matière. Ouais. Donc forcément, quand tu le pousses, il ne peut pas être en fond. Et puis à côté de ça, des gens plus âgés, en reconversion, qui viennent cette fois pour changer de métier. Tu prends du plus gros, tu prends 240, essaye d'affiner au maximum, que ce soit le plus doux possible partout. Je l'arrondis légèrement, ça te fait une petite arête douce. On a un stagiaire qui est venu nous rejoindre en formation, qui avant de nous rejoindre était trader à Londres. On a une femme qui était directrice des achats pour un grand groupe de textiles français. Leur motivation est souvent la recherche de sens. Ils travaillent depuis des années et lorsqu'ils arrivent en fin de semaine, ils se demandent à quoi ils ont servi. Ils donnent plus de sens en fait à leur métier actuel et ils sont prêts à changer complètement d'orientation et à prendre un métier plus manuel.
Bon, c'est vraiment, Anissa, la transmission du savoir, estampillé conservatoire, ça fait sérieux, conservatoire. Mais, et c'est leur objectif. Mmh. Leur objectif principal, transmission d'un savoir-faire qui se perd. Et ils ont fait leur petit calcul et ils se sont rendus compte que d'ici quelques années, si jamais on ne faisait rien, ils disparaissaient réellement, complètement. Plus personne ne savait réparer ses vieilles voitures. Ensuite, ce qui est très intéressant aussi, vous avez vu dans, ce qu'expliquait le directeur de cette école, c'est le besoin qu'ont beaucoup de gens qui exercent des professions qu'on peut appeler dématérialisées, comme les traders, ceux qui sont dans des agences de marketing, etc. Voilà. Alors, c'est très intéressant de se rendre compte que vous avez des gens qui, après de longues carrières, de brillantes carrières, dans un monde dématérialisé, on travaille derrière un ordinateur, on compte des sous, ont ce besoin viscéral de retourner à la matière et de travailler avec leurs mains, de parler avec leurs clients et pas envoyer des mails et travailler avec des chiffres incongrus sur un écran. Et ça, c'est assez fascinant aussi. Avec de belles personnalités que vous avez pu rencontrer effectivement autour de ces voitures. C'est propre, hein, ce garage. Hein. Bah, c'est très beau, propre. Ça vous a bien plu. Merci beaucoup, Anissa.